façon, moi je peux plus. Ah, quelle belle vue ici. Mine de rien. Marée basse, ce sont des sables mouvants. Bon, j'ai pris un petit café sur le port. Tous les matins, je prends mon petit café sur le port. On parle de tout et de rien, mais c'est pas grave. Sont tous les matins, je vais boire mon petit café sur le port. D'ailleurs, je viens de me demander là. Je sais pas ce que je me demande d'ailleurs. Enfin, le port, c'est le port. Hein. Oui, alors Ploubezambre. C'est quoi le truc Ploubezambre? Ploubezambre, ça c'est le nom d'un bled, ça merdique. Ploubezambre. Voilà, on est dans le Finistère là. Pip, pip, pip. Tous les matins, je passe des Côtes d'Armor au Finistère. Putain, je me marre. Tout ça pour aller prendre mon café. Comme quoi, hein. Enfin bon. De toute façon, il n'y a rien à attendre de la vie, ni du café. C'est comme ça. C'est la vie. Oh, quel est bel arbre ici, putain. On dirait un truc. Qu'est-ce que c'est ce machin, putain, la machin. On aurait dit. Comment dire, je sais plus là, comment ça s'appelle, le bouquin espagnol, là, dans le désert, là. Ça va me revenir, là, le plus connu des bouquins espagnols, avec les moulins, tout ça, là, dans le désert espagnol. Enfin, c'est pas le désert, la Mancha, là. Bon, bref, attention. Oh. Parce que j'ai bien vu ici, quand même, c'est tous ces poteaux électriques, tout ça pour avoir de l'électricité. Comme quoi, enfin, la mer est basse. Parce que tous les jours, la mer monte et elle descend. Ah la vache, tous ces gens et leur camping-car au camping, c'est dingue, même l'hiver, ils campent. J'hallucine grave. En tout cas, hier, j'ai entendu dire que Paul Prébois était mort. J'avais jamais su qu'il était mort, Paul Prébois. Ah, mais il est mort, Paul Prébois? Ah, je ne crois pas. C'est possible, ça. Ah, quand, pas plus tard que l'autre jour, je l'ai vu à la télé, Paul Prébois. Alors, la personne, là, elle m'a dit qu'il était mort. Ça faisait 30 ans de ça qu'il était mort, Paul Prébois. Paul Prébois est mort depuis 30 ans, je lui ai dit. Non, je ne te crois pas. Ah non, mais quand même. Il est mort où? Alors je lui dis, je lui demande, il me dit, il est mort comme ça, il était vieux. Bah, il est mort dans le bois, Paul Prébois. Oh, la route est barrée encore ici. Oh putain, bon alors c'est pas grave. Ah non, mais là sincèrement, moi j'en peux plus de cette route barrée. Je m'en fous, je y vais. Accès au commerce, donc c'est bon. Bah, je vais au commerce, de toute façon, je vais au bar, prendre mon café. Là, c'est pas possible de fermer les. Boucher les routes comme ça. Donc Paul Prébois est mort. Alors il est mort donc il y a 30 ans, au moins, d'après mon ami. Qu'est-ce que c'est que celle-ci là? Voilà, Lady Di. Lady Di, ça part de la route. Oui, alors Paul Prébois est mort depuis plus de 30 ans. Ben, moi ça me fait une belle jambe. Une jambe de bois. Oh, quelle belle maison. Une maison basque ici. Il y avait une maison, on aurait dit une maison du Pays Basque. Genre vers Saint-Jean-Pied-de-Port, des petites maisons à colombage, un peu, je sais pas si c'est le mot colombage, colombine, non, colombage, vert. C'est surtout la couleur verte qui fait penser au Pays Basque. Il y a beaucoup de vert au Pays Basque. De vert, de rouge et de vert et de vert et de blanc aussi, un peu de blanc. Ah voilà, la maison, le port, route barrée. On s'en fout que ça soit barré. Une petite descente. Voilà, la mer a l'air. La mer est basse. Et ça, je m'en fous. Car elle est basse. C'est pas à la mer que je vais, c'est au bar. Hôtel du port. Alors si je vois Paul Prébois, bah non, je le verrai pas. Ah mais tiens, attends, il y a un camarade qui est là, je le klaxonne. Ah bah tiens, merde. Ah bah je sais pas où il klaxonne. Bon, c'est pas grave. Bah. Ouais. Bon alors, je vais me garer sur la place, sur le port. Bon, et Paul Prébois est mort. Il y a 30 ans que Paul Prébois est mort, mais je le crois pas.
Paul Prébois n'est pas mort. Je donne ma langue au chat. Bon, allez.